yourself and everybody around, cause you ain't got nobody to listen. Trapalange, je veux juste écouter la musique, elle est tellement bonne. Trapalange, je dis à toi dans pas long. Je suis à vous dans pas long, après mon slow guitar. Ok, c'est bon. Arrêtez, on niaise un peu. On va arrêter de niaiser un peu. Je disais donc. Comment vous allez? Eh oh! Bonsoir. Comment vous allez? Hein? À ce beau vendredi. Vendredi! C'est la fin de semaine! Oh! Parle pas. Qu'est-ce que ça? Pourquoi je parle pas? Pourquoi tu vas pas parler? Je l'ai arrangé tantôt, ça. Viens parler. Ah ouais, on parle! Merci! Oh, Zwell. Donc, ce que j'allais dire,
C'est la fin de semaine demain! Yeah! C'est mes vacances. Fait que ça tombe bien, c'est mes vacances. Je les ai pris un peu plus tôt que la dernière fois. Pas l'année passée, parce que l'année passée, j'étais toujours en vacances. Mais je veux dire, pas en 2020, mais en 2019, je les ai commencés de bonne heure. Je les ai commencés plus tard en 2019. Puis là, je les ai commencés plus tôt. Puis l'année prochaine, ben, je vais les commencer encore bien plus tôt. Parce que ben, c'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie. Sinon, comment vous allez à ce beau vendredi? J'espère que je vous ai pas cassé les tympans, là, mais... comment vous allez à ce beau vendredi? C'est trop drôle. Hein? Ben c'est ça. Comment ça, la vidéo est saccadée? Voyons donc. Je vais super bien. Non, pour vrai, on va arrêter de niaiser, mais je vais super bien, voyons. Mes vacances qui commencent. Moi, mes vacances commencent là maintenant. J'avais pensé peut-être de faire un peu plus de rando maison pendant mes vacances. Un petit peu plus. Puis je vais faire des streams de jour et de soir. Tout dépendant de quand est-ce. Pas tous les jours, pas tous les soirs. Ça va vraiment dépendre de comment je file. Que là, je vais être en vacances d'une semaine. Ça va me tenter des fois de venir en stream de temps en temps. J'espère que vous avez rien de prévu. En tout cas, pour Kiwi Fantasy Québec, lui, il y a déjà quelque chose de prévu. Puis malheureusement, il va tout manquer mes streams. Bon, zouette. Il prend une semaine off, puis s'en va directement en même temps que moi. Okay, hein? Pense même, pas moi. En tout cas. Donc, c'est ça. Je sais pas trop si ça me tente de jouer à Little of Noah. J'avais envie de jouer à ça. Puis s'il reste du temps. Parce que c'est quand même un monde facile, là. Vous allez comprendre, c'est un jeu quand même assez facile. C'est un jeu qui est quand même assez dur, je veux dire. Mais un autre qui sera pas là. Bon, Zwell, arrêtez donc de faire des niais. Oh, vous m'énervez. Oh. C'est bon, compris. Mais toi, Mystic Gris, c'est pas si pire, là. Tu sais, pas si pire parce que t'es là, mais t'es pas là. Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. T'sais, moi, je te chicanerais pas parce que depuis que je suis en stream, même si je travaillais, tu venais pas souvent. C'est un peu comprenable, là. Je fais mes streams. Quand même assez tard. Fait que tu peux pas tout le temps venir. À part. Là, c'est drôle parce que ça fait deux fois que tu viens un vendredi. Puis c'est comme. J'en repense tout le temps que mon vendredi, c'est censé être Splatoon. Fait que. Oui, j'ai envie de jouer à Splatoon, justement. J'ai envie de jouer à Splatoon. Mais. J'ai envie de jouer à Splatoon, mais en même temps, j'ai envie de vous montrer ce jeu-là. Fait que ce que je vais faire, je vais peut-être... Je stream quand même assez tard le vendredi. T'sais, on fait quand même un long stream le vendredi.
Merci de me dire que Splatoon est dans même pas 2 mois et demi. C'est bien brillant. Y'en a un qui a hâte à Splatoon 3, hein? Moi, je pourrais pas l'avoir. C'est bien brillant, ça. C'est le fun. Un mois et demi? Non. C'est là, toi, un mois et demi. Hey, on n'est pas au mois d'août, hein? T'as raison. 2 mois et demi. On n'est pas encore au mois d'août. Le mois de juillet à finir, au moins. Franchement. La semaine prochaine, tu pourras dire, il reste un mois et demi. Pas cette semaine. Franche. S'il te plaît. Et merci d'avoir mis encore plus le couteau dans la plaie, c'est le fun. Surtout que je sais déjà que je pourrais peut-être pas me l'acheter. C'est le fun, ça. Bon. Sinon, Splatoon 2, j'avais envie de faire ça aujourd'hui. De jouer un peu à Splatoon 2. Pourquoi? Parce que j'en ai envie. Parce que ça fait longtemps que... Longtemps qu'on n'a pas joué. Puis j'ai envie aussi de... Toi là. Oui, il m'a fini par l'avoir éventuellement à Noël. Il m'a l'avoir, c'est sûr. C'est sûr que je veux vraiment l'avoir parce que ma chaîne a grandi avec ça. Mais il faut avoir l'argent aussi pour l'avoir. Puis malheureusement, moi, mon argent, je l'ai pas pour ça. Ben, 3 mois et demi plus tard, ouais, mais est-ce que je vais vraiment l'avoir à Noël? Ça va dépendre. Je sais pas si ma famille va m'acheter ce jeu-là, c'est ça l'affaire. Il y a beaucoup d'affaires qu'il faut qu'on mette en compte que c'est pas tout le monde qui va l'acheter. Je vais peut-être l'avoir seulement en février aussi. Ça va dépendre de comment que ça va se passer. Si je l'ai pas à Noël, c'est sûr que c'est moi qui vais me l'acheter avec mon propre argent, là, avec l'argent que je vais recevoir de ma famille. À part de ça, si je n'ai pas assez, je pourrais peut-être pas l'acheter. Je pourrais voir avec le montant d'argent que je vais recevoir, malheureusement. Mais tu sais, Splatoon 3, c'est sûr que c'est un jeu que je vais mettre dans ma liste. Puis c'est sûr que c'est un jeu que j'aimerais avoir. Mais est-ce que... Parce que, tu sais, les jeux sont tellement chers. Puis ça, je trouve ça tellement dommage. On vit dans une société où ce que les jeux... Oui, c'est le fun.
Mais c'est cher. C'est hyper cher. Mais j'ai remarqué une chose. C'est que dans Splatoon, comme dans toutes les autres, ça utilise la mémoire. Oui, c'est un jeu de combat, de FPS, de peinture. Mais en même temps, c'est un jeu de mémoire. Parce que ce que je veux dire par là, c'est que vu que c'est un jeu, c'est un jeu de mémoire, parce que dans le sens, il faut que tu aies de la concentration pour que tu arrives à tuer l'ennemi tel moment là. Fait que c'est pour ça que je me dis Splatoon en même temps, c'est un jeu de FPS, oui. En même temps, ça peut. Je voyais mon bonhomme pas parler. Hein. Mais ça. Comment je peux dire ça? En tout cas, si ça. T'sais, on pense pas à ça, mais. Nos parents qui disaient avant, ah, les jeux vidéo c'est mortel, jouez pas aux jeux vidéo. Mais au contraire, les jeux vidéo qu'on travaille la mémoire, ça dépend des jeux vidéo. Et encore là, le jeu que je vais vous montrer dans quelques instants utilise beaucoup de mémoire parce que oui, on peut mourir souvent. J'étais mort 2-3 fois. Même plus que ça, 4-5. Puis, tu sais, je me dis en même temps, oui, on peut mourir, mais on a toujours, tu sais, quand on meurt, on se redécouvre. Mais laissez-moi juste un instant, je vais pas marquer d'autres choses. Il me reste marqué et. Attendez. Réactive. Pas long là. Juste cacher un peu mon. Hop. Savez-vous, j'ai des préférences dans mes propres musiques. Ça, c'en est un. C'est fou comment que j'ai des préférences dans la musique. Comme je disais, je vais être tout voilà. Moi, c'est là que j'aime bien. Ben justement, Misty Gray, pour revenir à ton affaire, même que pour les plus jeunes, les émissions des plus jeunes, là, les plus jeunes de cette année, là, je parle pas des années où ce que moi j'étais jeune. Moi, où ce que j'étais jeune, les jeux vidéo c'était mauvais. On me disait tout le temps que les jeux vidéo étaient mauvais, et c'est pour ça que je n'ai pas grandi exactement. J'ai grandi avec la gamme Nintendo. Mais j'ai pas eu tout ce que je voulais dans les jeux vidéo parce que j'ai pas été ben chanceux. Manque d'argent aussi, ça coûtait cher. Et plein de raisons ont fait que les jeux vidéo c'était mauvais.
C'est ce qu'on m'a dit. Moi, en étant jeune, je réfléchissais pas vraiment à ça, puis je me disais, voyons donc, c'est impossible. Sauf que c'est drôle parce que plus qu'on jouait à des jeux vidéo, plus qu'on était bon à l'école. Quand j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo, j'ai commencé à voir des notes. Oui, j'avais des bonnes notes, mais un peu moins qu'à la normale. J'avais pas des notes que je voulais, j'espérais d'avoir. Puis malheureusement, oui, la télévision permet d'avoir plus de vocabulaire, mais aussi, mais pas juste ça. C'est que les jeux vidéo, puis même là, il en apprend, c'est que les jeux vidéo développent la stratégie. L'intelligence, c'est que tu vas devenir, ton cerveau va travailler en même temps que tu joues aux jeux vidéo. Je vais donner un autre exemple, Tetris. C'est un très bon jeu, Tetris. Et ça, c'est un jeu de stratégie. Si tu mets des blocs n'importe comment, tu peux les employer. C'est ça qui est le fun, c'est que après ça, tu peux les employer dans tes autres moments de travail. Et dans ces moments de travail-là, ben, ça peut aider dans un sens. Je donne ça comme exemple parce que ça m'est arrivé sous peu. C'est arrivé sous peu. Je vais lire ce que tu as dit avant, Mystique, parce que ça m'intéresse bien, là. Mais attends, avant, je vais continuer. Ce que j'allais dire, c'est même récemment, je pense, un peu avant de tomber malade, j'ai employé, sans joke, parce que je jouais souvent à Tetris, j'ai employé mon travail et un peu de ce que j'avais appris sur Tetris, je les ai employés dans mon travail. C'est drôle parce que moi je regarde les jeunes là, de nos jours qui passent tout le temps. Puis là je parle pas être sur Facebook et les réseaux sociaux, ça c'est non, ça marche pas. OK? C'est même pas. Moi je regarde du monde de même. T'as une annonce! Ouais, désolé, il y avait une annonce. En même temps, on va écouter un peu de rock. Ça me paye pas tellement, mais... Juste ça me dit quand ton annonce va être terminée, mon beau mystère. OK. Donc, ce que j'allais dire, c'est que même dans mon travail en ce moment, j'ai employé vraiment la gamme Tetris là-dedans, puis j'ai vraiment mis les affaires. Moi, je regarde les jeunes, là, cette année-là, maintenant, là, j'ai regardé un peu les jeunes travailler, puis tout, là, puis même des jeunes qui m'aident, là, ils travaillent tellement mal. Puis là, je dénigrais pas parce que moi, je travaille bien. Non. Je dénigrais parce que les tâches qu'ils font sont tellement illogiques. C'est tellement... Ils servent pas de la logique. Puis je me dis, voyons, c'est la logique. Je vais te donner un autre exemple. Tu sais, mettons des plossades. Tout bon, me semble, quand on fait de la vaisselle, on lave bien les plats, on rince ça, on frotte, peu importe. Pour plus qu'il reste de déchets. Mais tu vas pas dire ah ben c'est fini, puis on va pas mettre ça dans. On va pas mettre ça de même, puis on va laisser ça comme ça, toute sale. Non, ça se fait pas. C'est illogique. C'est comme. Si des fois, je me dis. J'ai même à un moment donné. Moi, je me dérange pas. Moi, j'ai été reporté dans l'affaire, puis j'ai. Dans un lavabo, puis j'ai. J'ai rapporté ça, puis j'ai dit, c'est parce que je peux pas, on peut pas, on peut pas,
on peut pas vendre ça de même. Je suis désolé. Moi, je ne peux pas accepter ça. Moi, je vais me faire chicaner si j'en accepte ça. Je ne peux pas accepter ça. Fait que non. Moi, je vais. On recommence. C'est tout. La personne, l'employé, est-elle pas de bonne mère? Écoute, on travaille bien ou on travaille mal? Tu sais, moi, j'ai dans l'enfant qu'il faut travailler bien. Dans la vie, moi, j'ai toujours appris qu'il faut travailler bien. Si tu veux, plus tu gardes ton travail longtemps, plus tu vas travailler bien. Ça fait longtemps que je travaille là en plus, fait que viens pas me dire des choses. Mais, en tout cas, ça, c'était une partie. Puis moi, dans ma... concernant les jeux vidéo, moi, je me suis servi de ma logique. La logique des choses. La logique des affaires. Puis beaucoup de monde, quand ils travaillent, ne se sert pas de cette logique-là en temps normal. Puis ils devraient commencer à se servir de la logique qui a du bon sens. Là, je dis pas toutes les jeunes sont pareils. C'est juste que les jeunes de ce temps-ci, c'est vite, 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 je veux rien savoir, c'est vite, 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 vite. Même que ça, tu travailles mal ou tu travailles pas mal, je veux que ça soit vite. Mais oui, tu peux faire ça vite, mais faut que tu fasses ça bien aussi. Ça, c'est la logique, tu sais, des choses, faut se servir de la logique. Quand tu travailles, il faut que tu t'aides de ta logique, veux pas. Moi, c'est pour ça que moi, ma tête, elle travaille souvent. Puis, je savais pas, mais là, j'ai appris ça cette année. Non, ça faisait un bon petit moment que je savais que les jeux vidéo nous rendaient plus intelligents. Ben, plus... T'entends encore là, on s'entend des jeux vidéo. Tu sais, des jeux vidéo que je vais te donner un exemple ben concret. J'en ai pas, malheureusement. Je peux pas vous en donner. J'en ai pas de jeu de... Mais il y a des jeux vidéo qui n'est pas bon. Qui ne se sert pas d'intelligence que tu fais n'importe comment. Je pense que c'est des jeux comme... quel jeu, mais il y a des jeux vidéo que l'intelligence n'est pas là. Travaille pas ton intelligence, puis c'est normal, mais tu sais, comme Tetris, ça en est une gamme que travaille l'intelligence. Les choses mystères, les jeux de mystère, ça, c'en est une autre affaire qu'on sert de l'intelligence. Il y a toujours un moment d'intelligence, mais tout dépendant de faut le trouver. Tu sais, comme Splatoon, oui, je dis que c'est un jeu de stratégie. Mais en réalité, si tu fonces dans le tas, puis tu réfléchis pas, ben, tu risques de te faire descendre. C'est à peu près ça que je fais à chaque fois. J'ai compris un petit peu que à chaque fois que je faisais ça, ça marchait pas fort, hein? Surtout, c'est sûr que si j'ai le chat et je me concentre, ça m'aide pas non plus. On s'entend-tu, tu sais? Mais je comprends beaucoup de monde qui... Ah ouais, mais les jeux vidéo, tu devrais passer moins de temps dessus. Mais en réalité, les jeux vidéo, moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Puis c'est pour ça que je continue à faire des jeux. Parce que j'adore ça. Et... point de vue, musique aussi, ça m'aide à me concentrer. Puis, voyez-vous, je vais vous donner un petit exemple. J'ai commencé à créer une musique récemment. Puis, je l'ai montré à Noah, puis je l'ai montré à Kiwi Fan du Québec, je veux dire. Puis, j'ai montré à Mauve. C'est deux personnes qui sont venues pendant que je créais ça. Puis, ils m'ont dit « excellente musique ». C'est une musique que j'ai partie de rien. Je l'ai composée de rien. Je continue. Puis, c'est les jeux vidéo qui m'aident à me donner. Hey, j'aime ça, cette beat-là. J'aime ça, cette musique-là. Je vais peut-être pas prendre la même affaire. Parce que j'ai pas le droit. Mais je vais essayer de prendre une. Hein, puis me donner des idées avec ça, tu sais.
Pour ça, je vais juste lire. Ma mère m'a fait goûter. Quand j'avais environ 4 ans, ma mère m'a fait goûter à une mangue pour la première fois et je lui ai dit que c'était bon, mais que c'était filandreux. Depuis, quand un enfant de 4 ans connaît ce mot-là. Ah ouais, là, non, là, ouais, je comprends, là. Je comprends ton point de vue, tu sais, il est rendu là, c'est sûr. Moi, on m'a toujours dit, c'est drôle parce que c'est plate, parce qu'avoir su d'avance que les jeux vidéo aideraient à l'intelligence, j'en aurais fait toute ma vie. Puis là, en ce moment, qu'est-ce qu'il dit? Que là, je veux pas vous dire n'importe quoi, mais ils disent que les jeux vidéo ont un impact au mental. Ils ont un impact sur l'orthographe, mais ils ont un impact aussi sur c'est un sport, non, pas pantoute. Style. Jeux vidéo est bon. Parce que là, ça remonte loin, mais checkez bien. Ils disent là que jouer aux jeux vidéo permet de réduire le stress et de soulager les douleurs. Et pour vrai, là-dessus, je vous dirais que là-dessus, c'est vrai. Ça réduit vraiment le stress. Puis moi, qui est une personne habituellement plus anxieux, je sais pas si vous vous rappelez quand j'étais malade. Quand j'étais malade, que j'étais vraiment, mais vraiment dans, malade, là, j'étais vraiment dans la cata, là. C'est quoi qui m'a aidé à me remonter? C'est quoi qui m'a aidé à me sentir mieux? C'est d'être avec vous. C'est d'être avec vous, mes viewers, puis c'est d'être avec, en jouant des jeux vidéo. Ça m'a comme aidé à... Ouf! Tu sais, quand, mettons, on arrive à... T'arrive, on est fatigué, on est brûlé. Et là, je vous dis, aujourd'hui, j'ai été brûlé d'aplomb. Et regardez comment je suis top shake pour vous faire un stream de même. Je vous dis pas que j'ai eu un stress avant de partir. J'ai eu un stress avant de partir mon stream. Mais là, le stress s'est évaporé. Et ça, c'est un des bienfaits que je savais pas, mais que la plupart du monde qui ne joue pas aux jeux vidéo n'a pas de. Tu sais, n'ont pas de stress. Puis c'est pour ça que les jeunes qui jouent plus souvent aux jeux vidéo ont moins de stress. Je vais donner un exemple. Kiwi Fancy Québec, je parle avec, il n'y a aucun stress. Toi, Misty Gris, la même affaire. Je te parle sur Discord, je ne vois aucun de stress. Vous êtes pas stressé pantoute. Vous êtes calme. Je me dis, voyons, non, ça n'a pas de sens. Oui, ben la musique m'aide aussi pour les bienfaits aussi du stress. La musique m'apaise. Moi, ça me relaxe. J'écoute de la musique. Peut-être pas toutes les musiques. Mettez-moi pas du... métal, hardcore métal, oublie ça, c'est sûr que je pète le feu, puis je suis en train de drainer. Mettez-moi pas de la danse non plus, je pète le feu aussi. Mettez-moi de la musique calme, mettez-moi de la musique relaxante, y a pas de problème. C'est comme ça ici, là. Je vais vous donner un exemple, ça c'est une bonne musique, calme et relax. Ça c'est mon style à moi. Ça... C'est mon style que je fais. Moi, j'adore faire des styles de même. C'est pour ça que je touche un peu plus de monde parce que la musique fait vraiment. Ouh! T'arrives de travail, t'écoutes de la musique, tu fais. Ah, ça fait. Malheureusement, j'aimerais ça me faire connaître là-dedans. Y'a pas de problème, Mr. Green. Moi, je suis ouvert, hein. Moi, regarde, tu me montes.
plein d'affaires. Mais il ne faut pas oublier qu'on a tout un style différent. Voici, là, je vais être en préparation pendant mes vacances à faire une musique pour la chaîne à Kiwi Fans Québec. Je lui ai dit hier, est-ce que tu aimerais ça que je te fasse une musique? Il m'a dit, ça me dérange pas. J'ai fait, ça te dérange pas, tu sais que tu vas pouvoir commencer ton stream avec ça et tu vas peut-être pouvoir finir avec une autre musique. Je vais essayer de faire deux musiques. Une musique pour le début du stream, une musique pour la fin du stream. Un peu comme moi. Puis, dans ces musiques-là, ça serait vraiment la musique calme. Peut-être pas calme, parce que j'ai toujours un moment de calme dans mes musiques, voyez-vous. Puis, moi, j'ai besoin de faire des musiques un peu de calme. Je vais monter un petit peu le volume, là. Mais, comme là, vous entendez un peu le violon, moi, c'est ça que j'aime. J'adore les musiques avec un orchestre. Que t'es là, puis que t'écoutes. Puis les jeux vidéo, c'est comme ça à peu près. Jouer et composer, c'est la même affaire. Il faut pas non plus que tu dises « Ouais, mais moi, j'aime ça jouer. » Attends, pense. Composer, c'est jouer de la musique. Composer de la musique et jouer de la musique, c'est la même affaire. C'est juste que composer, c'est loin de la même chose. C'est... Moi, je me dis, quand moi, je compose de la musique, je la joue. Je joue la musique. Puis pour vrai, là, je vais vous donner un exemple. Tu sais, je vous disais, des musiques calmes, ça apaise. Ça, c'en est une musique calme. C'est pas de beat, pas rien. Voyez-vous comment on se sent apaisé, on se sent relaxé. Je suis capable d'en faire des musiques de même. Et moi, j'en ai besoin de faire des musiques de même parce que sinon, je suis pas capable. Misty Gris? Faut faire attention, ok? Je vois ton point de vue. Je vois ton point de vue. Je comprends ton point de vue. Mais il faut faire attention. Jouer, si tu marques sur Google, composer et jouer, est-ce la même chose? Beaucoup de monde... OK, composer. Dans le fond, composer. Pas vraiment ça. Composer la musique, c'est un peu écrire de la musique. Moi, je ne la compose pas. Moi, la musique, je ne la compose pas. Je pars de rien, je la compose. Dans le fond, je pars de rien et je me lance. Direct. Je n'écris pas, il faut des notes, il faut ci, il faut ça. Je ne compose pas la musique des partitions que je vois. C'est là la nuance, Misty Gris. T'as deux sortes de composer. T'as les gens qui composent comme ça, composent à l'oreille, puis d'autres gens qui composent en achetant des livres. Moi, j'ai les deux. J'ai des partitions de jeux vidéo, des compositions de jeux vidéo, et j'en ai un autre que je compose de même. Quand j'utilise, comme ce que j'ai montré un peu à moi et à Kiwi Fans du Québec et Mauve, j'ai montré une partition, j'ai montré une composition que moi j'avais faite, mais que je suis parti de rien. Puis je l'ai pas marqué dans une partition là. Mes chansons là, tu ne peux pas les avoir dans une partition. Si tu les trouves dans une partition,
Non, c'est vrai. Mais il y en a qui le font à l'oreille. Jouer de la musique, c'est bien aussi. C'est jouer de la musique, c'est composer en quelque sorte. C'est composer en quelque sorte. C'est tu pars de rien, tu joues de la musique de même, juste pour t'amuser. C'est partir de rien, puis tu laisses aller. Je le sais parce que moi, je joue de la guitare. De la guitare. J'essaye là de faire un cours de guitare pour essayer d'apprendre plus à jouer de la guitare parce que j'aimerais ça intégrer ma guitare là-dedans. Mais en réalité, je suis juste, je suis comme ça. Moi, je pars de même et c'est pour ça aussi que j'ai acheté un peu des partitions pour essayer de les reproduire dans la guitare. Des cours, puis ça, c'est du temps encore là, c'est du temps et de l'énergie à prendre en compte. Moi, j'ai comme pas le temps, puis pas l'énergie pour le faire pour le moment. Probablement à un moment donné, mais qu'est-ce que tu fais alors? Comme musique, qu'est-ce que tu fais? Si tu composes pas, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta guitare pis tu joues une musique déjà connue. Genre, je vais te donner un exemple. Genre, des gens qui ont déjà fait... Ah, ok, c'est ça. Ok, t'as une partition devant toi comme un peu... comme j'expliquais, comme un peu les livres de partition que j'ai acheté. Puis tu suis un peu la partition, c'est ça, genre... Ouais, je vois un peu. Malheureusement, Misty Gris, c'est drôle que tu m'emploies à ça. Et même avec une partition, si tu composes pareil. Je le sais parce que tu peux pas m'en passer des vite. Hey, depuis mon jeune temps, j'en avais que des partitions de clavier. Moi, j'ai vraiment commencé avec le piano, clavier, piano. Peut-être pas piano, mais un clavier. J'ai vraiment commencé avec ça parce que ben ma mère, elle avait ça, un clavier, puis elle jouait de même. Puis elle avait une partition. Puis moi, je prenais à un moment donné une partition et j'essayais de faire les notes. Pareil. J'essayais de suivre, puis éventuellement j'ai un peu arrêté cette partition là. Mais ouais, j'ai un peu arrêté, mais en réalité, si j'aurais peut-être continué, c'est pour ça qu'un peu dans mes musiques, quand je crée tout le temps avec un peu de clavier, un peu de piano, parce que avec mon programme que j'utilise, j'ai même un petit piano que je peux faire de la musique de même. Puis donc, en réalité, tu composes. Même si c'est une partition, tu composes pareil. Non. Beaucoup de musiciens vont t'estiner là-dessus, Mr. Gris. Va pas parler de ça à un musicien. Pour vrai... Tu vas dire ça à un musicien, tu viens de l'insulter carrément. C'est comme... Il va t'expliquer que composer dans une partition et composer comme ça, c'est la même affaire. C'est la même chose. Je vais te donner un exemple. Si moi, je prends, mettons, la musique de Super Mario Bros, puis je compose ça, j'ai une partition devant moi, je la compose, la partition. Je la compose, je fais les notes pareilles, je réussis à faire la musique pareille, je m'en vais mettre ça. Oui, ça va être une de mes créations. Parce que c'est moi qui l'avais en fait. Mais la partition, je l'ai copiée d'un jeu vidéo de Super Mario Bros. Ben, écoute, veux pas, ils vont te le dire. Moi, je suis pas d'accord. Composer en partition, puis composer, c'est la même affaire. Là, t'es comme tout en train de mélanger les affaires en même temps. Moi, je suis d'accord. Je suis pas d'accord.
Misty Gris. Moi, même si tu comptes beaucoup de musiciens, pis si tous les musiciens t'ont dit ça, c'est parce qu'ils sont dans le champ toute la gang. Ils sont carrément dans le champ toute la gang. Parce que moi, en tant que musicien et en tant que DJ, je te le dis et je te le répète, tu composes une partition, ça veut dire que oui, c'est de la tu composes. Je suis désolé, tu composes. Marc, mettons, je veux dire, mettons, va-t'en sur YouTube, ok? Attends. On va faire les affaires. Ça va sur YouTube. Marc, composition de... Ah, je sais pas, attends, mettons Splatoon. Ok? Admettons Splatoon. Ok. Composition Splatoon. Ok. Là, on dit... Tu sais, là, on a ici un composition. Un compositeur. Il fait. Il fait une tonne de Splatoon. Excuse-moi. Il y a une partition devant lui, puis il y a le piano. Il y a beaucoup d'affaires de même que... si on regarde, là, il n'y en a pas tellement, mais de Super Mario Bros, il y en a beaucoup. Il n'y en a pas vraiment de Splatoon. Mais de Super Mario Bros, il y en a beaucoup. Fait que si, admettons, on prend Super Mario Bros, puis on essaye de... En fait, il y en a rien. Ouais. Tellement rien. Comme ça. On va marquer ça. Parce que moi aussi, j'en vois plein de monde qui font ça. Puis, beaucoup de monde l'ont dit. Beaucoup de monde l'ont dit, comme, tu sais, admettons, genre, là, je suis en train de regarder un genre de personne qui fait ça. Compose. Attends. Laisse-moi finir, Mr. Gray. Tu vas comprendre. Et, admettons, OK? Là, on a une partition de ce plateau. OK, moi, j'essaye... Je prends ma guitare électrique, j'essaye de reproduire les notes. D'aplomb. Je réussis à faire ça. Moi, après ça, cette chanson-là, je vais aller l'enregistrer ou peu importe. Je m'enregistre en train de jouer ma guitare. Un coup que j'ai fini de faire ma guitare, un coup que j'ai fini de jouer de la guitare avec la partition, après ça, tu sais, comment je fais ça? Après que j'aille fini de jouer mon morceau, puis que mon enregistrement il est fait, le monde qui vont regarder ça vont dire, ouais, mais c'est pas toi qui l'as composé. Non, c'est vrai, c'est pas moi qui l'ai composé. C'est là la nuance, c'est que une compositeur, c'est tu. Oui, tu crées tes propres musiques. Mais l'affaire, c'est spawn d'une partition. Et je suis d'accord à moitié. Parce que si tu pars d'accord avec toi, une partie. C'est que oui, dans un sens, jouer de la musique, dans le fond, c'est interpréter de la musique, interpréter et composer et... composer de la musique et interpréter de la musique. Dans le fond, compositeur. Dans le fond, les compositeurs interprètent. C'est pas qu'on appelle ça. Les compositeurs interprètes de musique. C'est des gens qui ont déjà créé leur musique, qui ont parti de rien, puis qui composent comme moi. Moi, je suis un compositeur. Je dirais que je suis un compositeur interprète DJ. Un DJ
compositeur, interprète. Puis, comme ça. Moi, ça, c'est ma lignée que moi, je me définis. Est-ce que le monde va me définir ça comme ça? Probablement pas. Pourquoi? Parce que moi, je crée à partir de rien. Si tu prends une partition et tu joues une partition, puis tu le montres, et tu composes pareil de la musique, c'est là la nuance, c'est que tu composes pareil de la musique, mais tu suis de la partition. C'est tout. C'est dans un sens, c'est composer, prends un peu là, un orchestre. Un orchestre, là, l'orchestre, là, lui, il fait signe aux gens d'interpréter. Mais les gens, là, ils ont toute une partition devant eux. Ils ont toutes des affaires devant eux, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Des trucs noirs, là, tu sais, devant où ce qu'ils mettent leur partition. Bon, ben, ceux qui ont ça devant, là, ils sont obligés de lire puis de jouer à la note précise. Quand le maître d'orchestre dit « c'est à toi de jouer », lui, il est obligé de suivre les notes qui est marquées dessus. Mais il compose. Désolé. Composer, c'est pas nécessairement écrire. Mais tu peux composer en lisant aussi la partition que tu dois faire. Si, en quelque sorte. Pourquoi je sais un petit peu plus sur l'orchestre? Parce que j'ai vu des reportages des orchestres. J'ai vu un peu des reportages des gens qui font de l'orchestre. Justement, un gars qui fait l'orchestre de Montréal, il l'a dit publiquement. Ceux qui sont devant leur partition composent la musique. J'étais même bouche bée quand ils m'ont dit ça. J'ai fait « Ah! » Ben non, mais tu me gaises. Ils peuvent pas composer. Ils écrivent même pas leur musique. Non, mais j'ai attendu ça, il disait, j'étais resté bouche bée, puis je disais, ben voyons donc, ça n'a comme pas de sens, ça a pas de but. Pourtant, composer, c'est rien les notes. Puis malheureusement, l'orchestre était d'accord, le maître d'orchestre, comment on dit, c'était ça. Parce qu'il avait posé la question. Je sais plus c'était où j'ai attendu ça, mais l'animateur avait posé la question. Puis il avait vraiment dit ça. Puis j'étais resté bouche bée. Puis ça m'a comme resté dans ma mémoire que, ok, même si on est en train de lire un orc partition, ça veut dire qu'on est comme un peu. Même si on est un partition, ça veut dire qu'on compose pareil. Veux pas. Tu manquais quelque chose? Oui! Oui, en effet. Là-dessus, Mystigri, t'as raison. Ce que tu dis à propos, ce n'est pas toi qui fais la composition, mais c'est toi qui fais l'interprétation. Oui, en effet. C'est pour ça que t'as dit ça après. Ouais, mais tu vois un petit peu ce que je veux en venir. C'est que, veux pas, si tu as une partition devant toi et que tu composes la chanson de la partition devant toi, ça fait de toi un compositeur, veux pas. C'est si tu me dirais, je fais juste jouer pour jouer. Ok, ça veut dire que tu prends ta guitare ou ton piano pis tu joues n'importe quelle note. Ça, c'est jouer pour jouer. Ça, si tu fais ça, puis tu utilises des notes, puis tu regardes même pas une partition, pis
tu regardes rien de ça, puis tu joues des notes au hasard, un peu comme moi quand je joue de la guitare, je joue des notes un peu au hasard, ben ça c'est pour jouer, c'est pas, t'sais, mais si tu me dis, je lis une partition, et je compose la partition, je compose la partition qui est dessus, ben ça fait de toi un compositeur, parce que tu composes, t'es pas obligé d'être compositeur-interprète, t'es pas obligé d'être comme ça, t'es pas obligé d'être comme moi, être compositeur-interprète, puis créer ta propre musique. Tu peux tout simplement prendre une partie, puis prendre une partie des chansons, puis de la jouer de même. Ce que je veux dire, c'est tu peux prendre une partition, puis la suivre, puis ça te fait toi un compositeur. Beaucoup de personnes sont compositeurs. Ils sont pas interprètes, ils sont pas comme moi, tu sais, ils créent pas leurs chansons pis tout. Ils sont compositeurs. Ils créent pas leurs chansons. Ils composent pas leurs chansons. Mais ils lisent une partition. Ça fait d'eux autres un compositeur. Veux pas. Comme je disais, selon la langue que je suis seulement interprète parce que je suis les partitions à la lettre. Interprète, c'est... attends. Là, tu me vas dans des... tu parles des... Interprète... C'est pas long, ok. Parle là. Langue. Merci, c'est ça que je veux. Ok, c'est ça. Dans le fond, un interprète. Ouais, c'est ça, ok, c'est ça. C'est en plein ce que je disais. Appelé aussi compositeur, c'est ça. Dans le fond, je vais résumer un peu l'interprète façon Wikipédia. Okay. Selon Wikipédia, je vais suivre l'interprète. Comment ça, j'ai plus de musique? Elle a fini? Voyons donc, toi. Ben oui, toi. On a réussi à finir. Attendez donc, là. Oh wow, on a réussi à finir la musique. Hey, attends. Ça, c'est drôle. Oh wow. J'adore. J'aime pas. Il va falloir. J'adore pas ça. Il va falloir que je le reloupe. Bon. Donc, ce que je disais, terminé. Bon. Ben, je vais t'interpréter un peu, Mystigri, parce que j'aime bien ce qu'on parle en ce moment. Je vais t'interpréter ce que Wikipédia dit interprète musique, c'est-à-dire les interprètes façon musique. Dans le domaine musical, un interprète est un musicien, chanteur, instrumentiste, chef d'orchestre ou chef de chœur, dont la spécialité est de réaliser un projet musical donné, planifié par un autre musicien appelé compositeur. Donc, disons que comme tu disais, un interprète, toi t'es l'interprète. Ça veut dire que tu crées pas la musique, tu lis la musique d'un parti. Tu lis la musique d'un partition, donc ça fait toi un interprète. Moi, je ne suis pas.
moi, je suis un compositeur. Moi, un compositeur, c'est, il compose. Fait que là, qui est, faut pas se mélanger, c'est ça. Là, j'étais en train de me mélanger, mais faut pas se mélanger. Parce qu'un compositeur, c'est une personne, un musicien qui élabore de la musique. C'est-à-dire, beaucoup de compositeurs de musique sont également instrumentistes. Donc, là encore là, ça veut dire que du jour au lendemain, toi, si tu veux pas être interprète, tu pourrais redevenir compositeur. Il y a beaucoup de monde que c'est ça qu'ils font. C'est ils sont ils commencent interprète, puis par la suite, ils s'en vont vers la composition. Après ça, ils s'en vont vers la composition. Ils composent après ça leur musique, puis ils créent leur propre, proprement parler, leur musique. Pas du tout comme moi. Moi, j'ai commencé à être compositeur. Fait que dans le fond, moi, je suis un DJ compositeur. Parce que je compose ma musique. Je l'interprète pas, mais je compose la musique. Puis bientôt, on va m'appeler interprète parce que je vais interpréter la musique. Mais la composition, c'est tellement facile. Puis t'es pas obligé non plus, hein. Tu peux t'allier avec n'importe quel compositeur. Je vais te donner un exemple. Moi qui est DJ, là, je compose ma musique. Moi, c'est moi qui crée ma musique, qui compose ma musique. Fait que si, admettons, tu me dis, « Hey, tu me fais écouter tes musiques, puis j'adore ça. » Ben, on pourrait, à un moment donné, finir par peut-être bien s'entendre, puis dire, « Ben, tiens, toi, tu vas interpréter telle chanson, puis moi, je vais la composer. » Tu sais, je peux faire ça, moi. Parce que moi, je suis compositeur, chanteur, DJ. J'ai commencé à être DJ en premier. Ouais, j'ai commencé à être DJ en premier. Puis je suis un DJ diplômé. Moi, c'est ça l'affaire, c'est que moi, je suis un DJ diplômé. Fait que je connais toutes les gammes des sons. Puis par la suite, j'ai été compositeur. Il y a beaucoup de DJ qui sont comme ça, qui commencent à être comme ça. Des DJ compositeurs. Des DJ compositeurs, t'en as plein. T'en es affreusement, là. C'est comme, je vais te donner les plus gros noms. T'as David Guetta, t'as Snake, DJ Snake, pis t'as Calvin Harris, pis t'as Martin Garrix. Fait que dans le fond, tous les DJ composent leurs chansons. Ils ont pas le choix. Ils composent toutes leurs chansons. Et en tant que DJ, t'as pas le choix de devenir... T'es du DJ, premièrement, c'est toujours électronique, là. Fait que t'as pas le choix de devenir compositeur. T'as pas le choix. En ce moment, là, surtout avec les copyrights, t'as pas le choix. Parce que tu peux pas te composer pis dire ça. Mais moi, par contre, je peux faire affaire avec toi, qui t'interprète. Et peu que toi t'interprètes tes chansons, moi, je peux te faire une partition pis dire, ben tiens, tu peux m'interpréter ça. Puis, tu peux me le faire, là. C'est comme... C'est sûr que je ferais peut-être pas ça, là. Je suis pas encore un interprète. Je suis pas rendu dans le stade d'interprète. Moi, j'aime ça composer. J'aime ça créer la musique. J'aime pas interpréter la musique. Toi, qui est l'inverse, t'aimes interpréter la musique, mais t'aimes pas la composer. Mais à un moment donné, tu vas peut-être la composer. Je sais pas. Mais ça pourrait... On pourrait à un moment donné s'allier puis faire une musique ensemble. On sait pas, hein? Dans le monde où ce qu'on vit en ce moment, c'est tellement du hasard. Puis moi, justement, je cherche tellement des musiciens. Je cherche tellement... là, en ce moment, j'essaye plus de me faire connaître. J'essaye de plus possible de me faire le plus connaître le plus possible. C'est pour ça que la semaine prochaine, pas samedi la semaine prochaine, le 6, mais le 7, dimanche prochain, le 7 à août, je suis sur ma chaîne Facebook Musique.
que vous avez en bas de la description, mon Facebook. Je vais faire un stream. Je vais faire un live. Live, là. Vraiment un live. Que, éventuellement, vous allez me voir. Je veux dire par là, vous allez voir moi, là, en ce moment, ce que vous voyez, là, dans votre écran, en ce moment, là. Bon, ben, c'est ça que vous allez voir. Il va dire un message de début. Je vais dire un message de début et un message de fin que je vais mettre sur mon live de Facebook. Puis, je vais faire un mix d'été. Moi, je vais vraiment faire ça. Là, je suis en train de... Justement, cette semaine, je vais être en train de composer la musique au complet, tout. Puis je me dis, ça va être... Ben, ouais, c'est ça. Je vais être vraiment dans la composition cette semaine. C'est pour ça que je vais faire des streams. Mais ça sera peut-être pas tout le temps aux mêmes heures. Ça va peut-être être à des heures variées. Fait que c'est pour ça que je me dis, cette semaine, je la consacre à ma musique. Je veux vraiment me faire le plus connaître, puis... C'est le fun d'avoir, de rencontrer d'autres musiciens. Puis, pour vrai, je vais essayer de... Si on peut, à un moment donné, m'intégrer. Toi, t'as mon Discord. Fait que c'est pas un problème. Je crois que, à un moment donné, tu me montreras ta composition. Puis, montre ça à un moment donné. Non, mais je veux dire, tu me montreras un peu ce que tu fais, ce que tu joues. C'est ça, je veux dire. Dans un sens. Je sais que t'as pas de composition. Ce que je veux dire, c'est... T'essaieras de me montrer ce que t'es capable de faire. C'est sûr, peut-être sur Discord, on va peut-être mal entendre. Peut-être pas non plus. Mais t'essayeras, j'aimerais ça être savoir. Tu sais, c'est sûr que si tu me dis je fais du violon, ouh, t'interprètes du violon, parce que ça dépend de l'instrument que tu as. Moi, je sais pas quel instrument que tu fais là non plus, que t'interprètes. T'interprètes-tu du piano, t'interprètes-tu de la guitare, t'interprètes-tu de la batterie, t'interprètes-tu... Il y en a plein d'interprétations, là. Je peux t'en nommer 10 000 instruments. T'en as plein d'instruments, là, que tu peux jouer, là. C'est comme... Il y en a plein. Mais moi, j'aimerais ça entendre, voir, t'sais. Peut-être qu'à un moment donné... Ah, tu fais de la clarinette. Oh, j'adore la clarinette. Justement, dans mes tunes, j'en mets de la clarinette. Fait que je sais un peu c'est quoi la clarinette. Oh, c'est beau ça de la clarinette. En plus, c'est tellement le fun à entendre. Oh, wow, ok. Oh, oh ouais, pour vrai, mon Dieu. Moi, ça serait une autre affaire, de la percussion, ça, j'aimerais ça le faire. Moi, du piano, ça, j'ai pas vraiment besoin d'en faire parce que je suis assez bon de même. Saxophone. Ah, saxophone, ça c'est dur, ça, à faire, par contre, le saxophone. Pour vrai. Alors là, on a un peu déraillé ce qu'on était en train de faire, mais... On parlait, mais bon, c'est pas grave. Saxophone, c'est le fun ça du sac. Bon, on va commencer ça, hein. Pas trop à retarder non plus. C'est le fun, là. Ah oui! Pour vrai? Ah! Je viens de me l'apprendre, je savais pas. Je pensais que du saxophone, c'était... Que de la... Que de la saxophone, c'était dur. Je dis pas que c'est difficile, mais que moi, selon moi, c'est tellement dur. J'ai vu quelqu'un jouer de la saxophone, puis je me disais, hey, ça doit être dur, Boswell, à faire ça, puis je me disais, voyons donc. Ça, je savais pas, tu viens de me l'apprendre. Vois-tu, hein? Faut juste que j'en apprenne des fois. Viens de me l'apprendre.
Ah, ok. Ah. Little Noah, 楽園の後継者. Ah, ok, d'accord. Ça, je savais pas par contre. Je savais pas ça. Ah, oh, ouais. La clarinette, c'est dur à jouer. Ah, j'aimerais. J'aimerais. Ça c'est des affaires que j'aimerais de faire. Pour vrai, oh, la percussion, mais la percussion dans le sens, tu joues du djembé, tu joues. Qu'est-ce que tu joues? Parce que de la percussion, parles-tu du djembé, du bongo, de la batterie? C'est énorme. Là, tu me dis des. C'est énorme. Ah, ok. Saxophone. Hein? Ah, oh, ouais, ok. C'est saxophone ténor. Ok. Ok, ok. Tu jouais. Ok. C'est le fun. Ténor. Alors, c'est de la percussion du ténor. Ah, non. Bon. Percussion. Un peu. Ténor. Ah, c'est ça que je veux. Ah, ok. Ok, ok, ouais, ok, je comprends. C'est quoi? C'est ça, dans le fond. Dis-moi si c'est ça, puis. Dis-moi si c'est ça. Ouais. Dis-moi si c'est ça. Ça? Juste pour pas me tromper. Parce que moi, du ténor drum, c'est ce que je vois en ce moment. Je vais te montrer un peu mon écran. Ok, c'est ça. Donc, dans le fond, c'est ça. Ok. Oh my god! Ah ouais, ok. Ténor. Ah non, moi j'ai pas ça. J'ai pas de ténor, moi. Ok. My god! Hey, t'en as beaucoup! Je vais juste vous montrer une capture d'écran là. Checkez ça! Checkez ça! T'en as un là. T'en as un autre ici. T'en as un autre là. Et regardez les images là. C'est non, c'est ça. Ça aussi, ça en est. Ça aussi. Hey, y en a tellement. J'ai pas de ça. Moi, j'ai une batterie qui va avec. Moi, c'est vraiment. J'ai pas de ça. Je pourrais devenir de ça. Mais moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai vraiment une batterie comme ça ici. Et une batterie, ben, ça rentre dans la percussion. Oui, j'aimerais bien ça comme ça. Au moins, ça va me dire. D'affaires que tu peux faire. C'est le fun. Pour vrai, c'est. J'apprends un nouveau Mystigri. C'est rare que je parle de musique avec toi, Mystigri. C'est très rare. T'es plutôt réservé dans ces moments-là, fait que c'est très rare. Inquiète-toi pas, je te montrerai pas, je vais regarder ça en stream. Voyons, Mystigri, tu penses-tu vraiment que je vais faire ça? En stream, voyons. Donc, ça c'est une des affaires que je fais, que je dis tout le temps. Je ne montre jamais les personnes contre leur volonté. Même moi, je ne me montre pas contre ma volonté.
je vais me montrer un jour. Pas prête encore pour vous montrer, mais récemment, peut-être après mes vacances, peut-être un peu après mes vacances, j'avais fait des streams le vendredi hors stream parce que je vais avoir réalisé mon masque, mais je vais toujours porter un masque. Je vais vraiment me dévoiler à un moment donné. Je vais être gêné au début, mais il faut que j'enlève cette gêne-là. Puis je viens de remarquer que même malgré tout, même si je suis VTuber, je suis encore gêné parce que j'ai vraiment de la misère à me montrer. Ah, ben il existe plein de moyens que tu peux m'envoyer, Mystigri. Il existe plein de sites que tu peux m'envoyer. Là, je peux pas tout l'énumérer de même. Je peux pas tout l'énumérer de même. Mais, Noir m'en a trouvé plusieurs. Vite de même. Vite comme ça, je peux pas en ouais, disons-le, ouais. Disons que... ouais. Disons que, là, ça fait trop, là, ça en fait trop. Mais, ben, tu peux me l'envoyer sur Discord, mais avec des fichiers que moi j'utilise. Ah, vite comme ça. Un peu. Police. Déjà, je peux déjà te nommer que un que j'ai déjà fait, que je peux te dire à l'instant. Sur Discord, que j'ai déjà fait, que j'ai déjà envoyé. Que j'ai déjà envoyé de la musique. À quelqu'un que je peux déjà te dire. C'est WeTransfer. Tu peux me l'envoyer par WeTransfer. WeTransfer, c'est justement pour les vidéos, fait que ça tombe bien. Fait que je vais t'envoyer le lien. T'enverrai pas le lien, parce que c'est pas mon lien à moi. Mais tu pourras me l'envoyer là, j'ai un compte. J'ai un compte, hein? Ouais, je sais pas. Pas fou, hein? Ouais, j'ai déjà un compte là-dessus. Je me suis déjà un peu. J'ai déjà un compte là-dessus. Attends, ouais, c'est ça. J'ai déjà un compte, je me suis déjà connecté. J'ai déjà un compte. Tu peux me l'envoyer à mon... juste avec mon compte Twitch. Tu risques de l'avoir par là. Puis tu m'envoies le lien. Dans le fond, tu m'envoies ce lien-là. Tu me l'envoies directement via... Tu me l'envoies directement par Discord. En message privé. Puis moi, je vais le télécharger. Fait que tu t'en vas sur ça. Tu me l'envoies. T'envoies le lien. Tu copies le lien. Tu me l'envoies sur Discord, puis moi je vais le télécharger un coup que je vais avoir fini mon stream, parce que je pourrais peut-être pas le télécharger là. Mais un coup que je vais avoir terminé.
tu pourras le télécharger. Peut-être là, il n'y aura pas de problème. Là. C'est ce que je me. C'est ce que je sais. Parce que j'ai déjà envoyé un vidéo. Vraiment pour mes VTubers. C'est comme ça. Fait que je vais vous montrer un peu Little Noah. Little Noah, c'est une fille, une fillette, comme vous pouvez voir. Un âme chimiste utilise les âmes, comme ceux-là, à venir battre à côté. Moi, j'ai comme ces trois-là, parce que, ben, c'est mes trois monstres. Je peux en avoir d'autres. Malheureusement, j'en ai récupéré d'autres, mais les circonstances ont fait qu'il y a fait, ont pas marché. Puis, je peux avoir des accessoires pour augmenter mes affaires. Puis, sinon, ça, c'est. Mais, c'est ça. Puis, je vais vous montrer un peu les attaques parce que là, il faut que je les attaque. Éventuellement, tu as des défis aussi. Comme vous pouvez voir, c'est des armes. Fait que moi, c'est le personnage. La musique est bonne aussi. En même temps. Comme là, vous voyez-vous, j'en ai un autre. J'ai un autre arme. Vous montrer. J'ai réussi à avoir un autre arme. Avance tout droit et explose peut causer des brûlures aux ennemis. Ça, c'est pas si pire. Le problème, c'est que on a des ennemis qu'on doit battre, comme vous avez pu remarquer. Puis, dans le fond, c'est simple. C'est un donjon. Tu suis exactement le donjon, puis t'essaies de suivre un peu le chemin. Il y a plusieurs affaires qu'il faut aussi mettre en compte. Comme ici, t'as les portes. Si tu rentres dans cette porte-là, tu changes de niveau. Là, j'étais à l'angle de la chose. Là, je suis rendu à la grande... Attendez. La grande D. Là, vous pouvez pas voir à cause de tout ça, là. Mais, je suis rendu là. Donc, et ça, c'est des armes. Comme vous pouvez voir, j'attaque avec Y. Au début, j'avais de la misère aussi à comprendre comment ça fonctionnait. Puis j'ai réussi par comprendre. Éventuellement, faut que je fasse attention parce que mes personnages... Comme elle, Noah, elle s'appelle Noah, elle peut se blesser. Éventuellement, on n'a pas une vie à l'infini. Éventuellement, moi j'ai un peu compris comment ça fonctionnait. Éventuellement, on a aussi un aéronef que là il est détruit, qu'il faut qu'on essaie de construire. Et ben là, il est détruit parce que ben le méchant mode. Là, en ce moment, ce que vous voyez là en ce moment, c'est je choisis mon objet. Ça va me donner, comme lui, ça va me donner 60. Ça augmente 30% les types infligés par les dégâts de type glace. Augmente de 30 la durée pendant laquelle les ennemis souffrent d'engelure et congélation. Augmente le 10% la quantité de mana récupéré en terrassant un ennemi. Parfait. 240, je veux dire 214. Ce que vous voyez en bas, le 214, c'est le point
de le point que je suis capable de... qu'elle est capable de faire. Puis, malheureusement, pourquoi il est transparent? Parce que c'est des armes. Dans le fond, un archiviste, c'est... utilise des armes pour les combats. Là, à l'instant... ouais, je peux le télécharger. Je vais le télécharger, ça sera pas long. Pas maintenant, mais éventuellement, plus tard, je vais le télécharger. Je vais le garder... je vais l'enlever, puis je vais le garder un peu plus tard. Mais oui, t'as raison, ça a fonctionné. C'est parfait. Je vais vraiment le faire, par contre, après. Je le ferai pas là. Ouh, ça, c'était beau. Puis je l'ai déjà eu quand même. J'adore cette arme. Ouch! Je l'ai tellement vu, mais... ben, fait que c'est un peu un genre de combat, comme vous pouvez avoir vu. C'est un genre de combat. Éventuellement, t'as des marchands, puis des choses comme ça. Ben, comme là, en ce moment, je suis un marchand. Harpie. Ben ouais, mais on s'entend-tu que tu me parlais de la musique? Parle-moi pas de musique, puis il y en aura pas de problème. Non, c'est pas même parfait, parce que moi, j'adore parler de la musique, parce que je suis là-dedans. Tu le sais, en plus, Misty Gris. Hein? Ben, de toute façon, plus que ça commence tard, plus qu'on a plus de temps. Inquiète-toi pas, on va jouer ensemble. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Non, t'es sérieux? Ah, tabarnak, je le connais même pas. Fuck off. Je connais pas les attaques. Go! Calic! Ah! Comment? Que je fasse ça? Ah! Oh la chaîne. Ah! Oh, mangeons de la merde avec tes maudites tornades! Ça marche pas. Pande! Ça marche pas. Ah! Non! Fuck! C'est bien chien, ce mettre ennemi de merde là! Calique! Même pas un ennemi de même! Ah, fais chier! Parce que là, ce que vous voyez pas, c'est que là, j'ai tout perdu, mes bonhommes. Fait que ça veut dire que... le problème, c'est que là, tu sais, ici, je peux rénover l'aéronef. Qui est un peu... qui est un peu avec la mana que j'ai. Je peux en faire. 20%. Juste aller voir. Elle fan. C'est les statues.
Avez-vous des passions? Ben ouais. Là, ça aussi, ce que j'ai pas dit, que je n'ai pas fait, c'est que j'ai des animaux. Des animaux, c'est genre ça. Là, j'en ai juste un. Oh, ben, c'est le fun, par contre. Comme là, avec lui, j'en ai deux. Avec lui, j'en ai un. Avec elle, j'en ai un. Ah, quoi? J'ai des specs. Oh, ouais. Heureusement, moi je les ai. Si, ben ça c'est les statuettes. Ça c'est les statuettes qui peuvent me permettre de. Comme là, là mes dégâts sont réduits. Mais un coup qu'on a perdu nos affaires, ben là on est obligé de recommencer tout au complet. Ça c'est l'affaire. Le jeu. Fait que là, je commence tout le temps avec les trois. Tout le temps. C'est pour ça que moi, j'explore tout le temps tous les donjons au complet. J'explore toutes les salles. Puis ah oui, t'as des défis aussi. Comme là, les défis, c'est de battre tous les ennemis sans subir de dégâts. Si je subis des dégâts dans cette salle, mon défi est manqué. Puis en réussissant des défis, ben là, on a un peu les choses là. Oh, caramba. Je sais pas pour vous, mais il est fort pour moi. Ça m'est un pain, là. Je sais pas pour vous, mais pour moi, il est fort, hein, le père. Donc. Moi, j'essaie tout le temps de tout détruire parce que j'aime bien détruire. Ok, ouais, mais ça, c'est la porte, hein. On va aller voir. Ah, tu veux pas rester pour du plateau? On va peut-être faire du splatoon après, là! Pas de problème, Mr. Gris! Repose-toi bien! Merci d'avoir été là, on a eu une bonne conversation, j'aime bien ça. Ah, t'as pas ta Switch. Bon. Oh, mais ça explique bien des raisons. Ok. Augmente de 10% les PV. Tenoa attaque un ennemi.
30 de 10. Alors, pose-toi bien. Merci d'avoir été là, Mystigré. Puis je vais continuer. Je vais t'écrire quand je vais l'avoir écouté. Ton vidéo. Go. Hop. Ah, 15, c'est bon. Dans les ruines, vous pouvez trouver des marmites d'alchimie qui permettent de créer des astros. Choisissez un astral parmi ces trois sélections. Dans créer l'astral correspondant le mieux. Ok, c'est bon. Lancez une bombe qui enflamme tout ce qui est à proximité. Je cause. Lance de la grêle dans plusieurs directions, un peu court. Change là. Mick prend, tend le bras et amène par elle. Change là. Dans vie, on essaye. Éventuellement, t'as une map ici pour savoir dans quel donjon. Là, comme là, vois-tu, là, je peux. Ça. On va y aller. T'aurais pas tenté de me donner une. Je me trompe tellement de pitons. Je me trompe entre le piton B et le piton A. Clean, 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 clean! Oh, oh, come on! What the quoi, je veux. What the quoi? Faut pas me donner une clé, non! Besoin de ça dans la vie, hein? Besoin de deux clés. J'ai besoin d'un magasin.
Ah, je le fais. Oh, là. Ça fait mal. Attendez. Ok, ça j'avoue que ça c'est des amis. Et là je suis rendu dans un tough donjon. Fait que là. Hein? Oh. Ah oui. Oh, 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 oh! Aïe! Plate là. Ces ennemis là, là. Oh, mais c'est parfait. Est-ce que t'as-tu... Hein? Merci. Je vais prendre ça aussi. Là, j'ai le choix de soit débloquer le coffre, soit débloquer ça. Ça, ça va me donner un accessoire. Espérons qu'il y a une clé dedans parce que... Merci. Espérons qu'il y a une clé dedans parce que sinon je vais ouvrir ma monoclé. Le problème, c'est que là, j'ai zéro. Pourquoi tu me donnes... Non, t'es une... Bon ben on va laisser faire le coffre. Habituellement j'ai toujours plein de clés, mais là m'en ont pas donné un. Oh, pas de même. On va aller battre le mini boss. Arrête ça, bâtard de bâtard de Boswell! Tu peux pas faire un ange là, non? Ah, ben c'est pas ça. Tu m'écœures! Ça doit être là. Ok, c'est ça les animaux.
Merci. C'est je suis invincible hein, quand je fais ça. T'es pas... Oh, merci. Ça, je la trouve, ça. Malheureusement, ici, il faudrait atteindre la caverne, mais moi, j'ai jamais atteint la caverne. T'es mort, là. Oh, t'es bien fin, merci! Donne une affaire, toi. Donne la merde, voyons. Go! Ça, je vais prendre ça. C'est là, ça. Bon, on va aller là, voir qu'est-ce comment passe. Là, j'en ai trop. Aïe, ça a fait mal ça, Paswell. Alors, je me soigne. Ben, juste, je me ferai pas toucher parce que là, il me reste juste 40% pour finir ça. Dans ces moments-là que je trouve ça. En plus, j'avais trouvé toutes des belles affaires. Être obligé de tout gaspiller ça. Fabriquer mon or et oui, pas besoin d'une pierre. Que zaf. Exploration. Ah? Et tu le de recharge 5% le temps de recharge de tout.
c'est Monarch. Hey, merci! Donne 500 or, c'est bon ça. Je commence avec 500 or. J'ai juste tellement envie de finir le premier. Oh, jamais tellement. Voyez-vous comment c'est dur. On peut. Quoi? Fuck! Sérieux? Battre les ennemis à un temps réparti. Hein? Elle est à toi. Laissez-moi donc récupérer mon coffre l'autre bord. Qu'est-ce que là, là? Et récupérer mon. Je vais te prendre ça. Des potions, moi j'en prends tout le temps. Merci beaucoup. J'ai un peu où ce que ça nous amène. Oh, c'est ça que j'ai vu. Hop,
Au! T'as pas le droit de faire ça! Je vais vite, hein? Je sais que je vais vite. C'est une des affaires que j'aime bien d'un jeu là, c'est que ça prend pas de temps pour bien réussir nos affaires. Lorsque Noah est proche d'un ennemi, augmente de 50% les dégâts par les attaques de feu. Lorsque Noah terrasse un ennemi à 10% de dégâts. L'altération là, augmente 50% des dégâts infligés aux ennemis par les étourdissements. On va mettre plus de type feu. C'est ça que ça sert les C'est ça que ça sert la map. Lorsque un astral de type vent attaque la jauge, lorsque les PV de Noah sont en 30% ou moins, de infligé par les attaques de. Comment tu peux. Change-le. À ce coup. Jésus, je vais-tu avoir un. Un astral de glace. Combien? C'est un petit gros ennemi. T'aurais pas tenté de pas me mettre des ennemis de même? Ah. Une clé. Tâter les ennemis sans subir de dégâts. Je viens de marquer mon défi. Cause de toi ça! Je vais payer pour tout le monde. Ok mon défi. J'aurais pu avoir une belle affaire. Ah oh, tu peux pas aller là.
Ok, ça c'est moins le fun par contre. Top. T'as pas de clé. Fait que je peux pas les ouvrir. Faut avoir au moins 4 clés. C'est le fun ça. On en fait du bon usage, hein? Ça m'a dit. Merci. Bon, soit que j'utilise mes clés là, soit que j'utilise. Ah, je vois plus. J'avais le feeling de ça. Oh, je suis tanné là! Chaque fois, j'ai un nouvel ennemi. Oh, ah bah, je l'ai. Eh? Ah, c'est pas fait. Oh. Oh! Ok, hein? Ah, il est là. Ouh! Ça, c'est bon. Elle est. Ok, ça j'avoue que c'était facile. Là, les ennemis sont un peu plus tôt. De les dégâts sur les classes sont un peu. Est-ce que Noah attaque? Ça va peut-être être ça vu. Vu que j'ai un ennemi qui attaque de loin. Un astral qui attaque. Oh, je m'en vais.
Come on. Come on. Ça, c'était beau. Pas de défil. Qu'est-ce qu'on a? On se correct. Prendre ça. Prendre ça. Quoi ça? Pas prendre. Thank you. Paye ça? Ah non, je vais passer ça. J'ai pas envie. Pas que ça me donne des... Ah, mais... Oh! Ok, ça c'était bon. À 15 coups. Déjà... Là en haut on a ça, puis en bas qu'est-ce qu'on... Oh, t'es sérieux là? De quoi le Little Noah? Ben c'est le jeu que je joue en ce moment là. Je te dis. J'en utilise un ou je le garde. Ah ben non, après ça c'est le boss. Ben là, excuse-moi, hein, garde, c'est pas moi, pas de ma faute, garde. Tu veux la preuve? Hein? C'est pas le noir. Je sais qu'il utilise ton nom. Parce que la, c'est parce que la fille, elle, elle s'appelle Noah. C'est mon jeu que j'ai créé. Ouais, c'est ça. Parce que elle, que tu vois là en ce moment, l'âme chimiste, c'est Noah. C'est elle, Noah. Ouais, non. Eh oui, c'est un âme chimiste. En passant, tu viens dans 20 ans, toi. Non, bonjour, ouais, bonjour. Lui, il arrive de même, là, sans dire bonjour. C'est bon. Ben, il... enlève-moi la petite souris. Reviens de Trois-Rivières. Qu'est-ce que tu faisais là? Encore parti! Bah, attends, toi, tu pars tout le temps. T'en reviens pas comment tu pars dans une journée. Ouais, bon, tout le temps. Ah, oh, come on! Ah, oh, pas mort, lui! Bon. Ah, encore toi! Ah bon, ok. Pauvre crétine. Tu me poursuis encore. Je ne peux pas te laisser ces ruines. C'est la découverte du siècle. Pas question que tu t'en attribues toute la gloire. Imbécile, tu n'as toujours pas compris dans quel agrenage tu t'as mis le doigt. Hey! Qui tu traites d'imbécile? Comment ça me fatigue?
question, idiot, sont indignes de moi. Attention, gamine. On a de la compagnie. Oh! J'en connais un qui a besoin qu'on lui rappelle les bonnes manières. Ça tombe bien, je suis là pour ça. T'as que ben ça, le boss, toi. T'as-tu ça comme jeu, Nightguard? Oui, je l'ai. Est-ce que c'est le fun? Oui! Ah, tabarnak! Je vais... Ah, tabarnak, ça fait mal, ça! Fuck! Sérieux? On mange! Ouh, tabarnak! Ça te tente pas de mourir, non? Attendez, là. Ah! C'est que tu m'énerves. Va te lire ça après! Ah! Oh! Il me reste 18%. Mais comment tu veux éviter ça? Oh, Chris! C'est invitable! Bon, attends. Là, temporairement? Ah, oh, ouais. Moi, je l'ai tout le temps. Oh, fais chier. Regarde ça, tout qu'est-ce que je perds, calé. Oh, les... Ben oui, je sais que c'est le fun. Otsutsukeyo. Merci de me le dire. Tu me l'as dit un peu trop tard, hein? C'est vraiment le fun. Moi, je l'ai acheté parce que j'aimais l'aspect Age of Empires de ce jeu. Malheureusement, tu vas me dire non, pas pantoute. Avant, je veux. Entre le temps. S. Le dos. Ouais, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent! Combien?
Marion 9 est réparé à 7. Allez voir. 20 millions. Voilà. Les pouvoirs de l'éther sont des attaques spéciales et ultra rapides que Noah peut effectuer. Le temps ralentit lorsque vous maintenez le bouton pouvoir de l'éther. Enfoncez. Vitez Noah dans la bonne direction et relâchez le bouton pour l'activer. En utilisant le pouvoir de l'éther sur l'ennemi, vous pouvez recommencer le combat depuis 0. Rénovez deux fois le type entrant. Prenez un accessoire avant. Oh, ouais. Ok, fait que ça c'est pour ajouter d'autres statues. Oh. Et, ah, regardons ça! Création de mana. Pink, pink, pink. On saute en bas. Ah ouais. J'ai juste pas encore compris comment améliorer mes bonhommes. La seule affaire que j'ai pas compris. Oh! Je savais en plus que ça allait m'attaquer de derrière. Ça te dérange pas, je veux ça. C'est là, toi, va-t'en. Les donjons sont tout le temps différents. Ça, c'est ce que j'aime aussi, ce jeu. Comme un pro. Augmente de 60% les propagations en subissant des enjeux. Augmente 50%. Oh.
augmente de 20% la résistance de Noah et d'autres il a fait. Je te dirais plus que ça, mais. Change-le. Toujours de la puissance. Au début. De type glace. Ça sera pas là! Oh! C'est chaud ça! Brûle! C'est pas vrai là! Tu m'en as pas mis deux là, de même! C'est ça! Lâchez-moi un... Si. Non! Ben dur! C'est ça. Non mais, lâchez-moi, c'est ça. Et on est petit, j'arrive au. Augmente 10% les dégâts infligés par les autres. Augmente de 60% la propagation. C'est qui vient. Ouais, merci. Ah, j'ai manqué. Ah, oh, come on! Ça, ça me fait chier par contre.
Te prends ça. Je prends ça, puis c'est. Ah oui, je vais battre un ennemi sans affaire, non, non. Quand même. Habituellement, on en a déjà 4. Manque tellement pas beaucoup d'argent. Je sais déjà que je suis mort, ça va bien. Hop, tu me parles d'un ennemi, toi? Non, c'est pas celle-là. Mais moi, il y a un autre ennemi, mais pas celle-là. Pas oh, tort. Ah ben, je sais pas. Hey, tu fais... Tabarnak! Attendez pas que tu viennes.
Ah! Lâche-moi ça. T'avais tellement... Oh! J'ai eu la chienne. C'est un mauvais mot. Je pense que je savais déjà aller comment. C'est vrai, j'ai du vent, moi. J'ai la petite fille de vent! Oh yeah! Parle-moi de ça! Oui, parle-moi de ça! Je la danse, cette petite. Hop là! Jamais. Ouais, ça. Ah, ben ça, c'est pas fait. Dragon de feu. Dragon de feu. Et... Là, ça me dérange pas, qu'est-ce que... Oh, je sais... Oh! C'est fin, exprès. Je vais faire l'autre. Allez. Dans la vie, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, ok, j'ai vraiment eu peur là. J'ai vraiment eu la... Oh, attends. J'aime mes bonhommes. J'adore mes bonhommes. Pas mes trois du début, mais mes deux autres, je les adore. Est-ce qu'un astre... Je sais. C'est parfait, c'est parfait. Oh, ouais, donc. Tant qu'à gaspiller. Ah! Oh! Là, j'essaie juste de les détruire le plus rapidement possible. C'est ça qui est mon objectif. Mon petit défi. T'en es allé de toi, toi. Non! Ok.
Oh! J'ai eu la tellement la chienne de ma vie! Avec ce que j'ai là en ce moment, non, pas vraiment. J'avais bien pris Ouais, j'avais bien pris même. Ah non, t'es pas sérieux, je me bats pas en boss en plus. T'as eu le dessus de la dernière fois, mais pas question, je me laisse faire cette fois. Allô? Viens dans mon beau. Oh ouais, viens dans mon chou. Viens dans mon chou. Viens dans mon chou. Et dans mon chou! Oh! Ouais! Bon! C'est bien! Ouch! Ouch! C'est bien! Calé! Oh! Comment? Merci. Non, mange la colle. Oh oh. Ah man. Aidez-moi ça, aidez-moi ça. T'en as de là. Mais il fait exactement ce que je veux. Merci. Ah, mangeons de la colle. Ah, ok, c'est bon. Ah, non, c'est pas bon. Hey, saute donc. Directement dessus. Ah. Je sais qu'est-ce qui manquait. Oh my.
que ça, ça me donne des... hein? Oh, comment? On Wista, pause. Oui. Ah, t'es moi. Bon. Comment, Vince? Hey, on peut en transporter deux. Yes, parle-moi de. C'est ça que je veux. Je vous redonne 10 points. Attends, attends, quoi? Ah. Lequel qui me... Ça, je vais faire. Avance tout droit et explose. Ouais, ça. Ouais, oh. 31. Oh. Hop, mais. M'intéresse. Le mortier m'intéresse beaucoup, je l'aime bien. Il y a un des gars que j'aime bien. Mortier. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hey! Arrêtez ça! Oh, ma pipe, ping. Rends dans le sang, loin.
Merci. Fini ça! Pas sérieux? Je pensais que c'était fini. Ah! Ok, non, là ça marche pas. Ah! Merci.
Faites-moi dans ça, toi. Viens-tu voir un 3 étoiles? Remplacer mon... Ah non, t'attends, quoi? Passe-moi pas mon... Wesh, hein? Je pense que j'avais 3 clés, hein? J'adore le fait d'avoir. Hey, puis on est juste rendu au moitié du boss. Augmente 5%. Réduit de attaque de. Là. Là, je peux dire. Oh! Prends celle-là, ça te dérange pas. Plus d'astro, c'est parfait ça. Plus d'astral. J'ai pas assez d'astral! Dans un...
T'as combien de clés? Là, j'ai mon équipe de rêve. Rien ne peut me battre. Je vais aller par là. Je vais aller contre. Je vais voir qu'est-ce que c'est par là. Ah, merci, ça, je vais le prendre. Oh, c'est le magasin, par chance, j'ai été. Ouais. Attends. Deux sorcières, oui, en a. Je suis assez puissant ou je suis pas assez puissant? J'ai one shot tout. Hop là! Je confirme, je suis assez puissante. Aïe. Au niveau max avec le oh tabarouette. Yeah. Toutes les meilleures armes. Va faire. J'ai les meilleures armes des mains! S'il y a quelque chose qui marche pas avec lui, il se fait défoncer la face. Je suis tanné de mourir par lui.
Hey, là, si je gagne pas, là, il y a un problème. T'as eu la dingue. Ouais, bah ouais. Je connais ses tactiques, Esther. Ouais, mon beau. Et là. C'est mon beau. Deux. Oh! Je les enchaîne un par un! Ah! Oh! Je l'avais. Merci. Pas mal. Ok. Ouch. Ah! Fuck you. Fuck you. Fuck you. T'as pas le droit. Ah, tu m'écœures. Ok. Ok. Fuck you! Mange-la! Ah. Oh, je t'en ai. Quand même. Quand même. C'est meilleur. Bon. Ça a été un bon nom. 3 heures. Ah. Bon, tu voyages toujours tout seul? Pas exactement. J'ai des champions qui me tiennent compagnie. Et autant te dire qu'ils sont parfois pénibles. Je t'intrigue, pas vrai? Quoi? Moi, je serais intrigué par une madame, je suis tout BCBG, haute comme trois pommes. Oh, comme. Haute comme trois pommes? Madame, je suis tout BCBG. Passe encore. Et tu oses critiquer ma taille? Moi qui allais te. Proposer de rejoindre mon équipe d'aventuriers. Tu m'as vexé, c'est pas. Mais Noël le temps ne se laisse jamais démoraliser. Très longtemps. Les préparatifs m'attendent. Bon, ben. C'est pas honte. C'est ça, ça me donne des ravitaillements.
prendre 20% les dégâts. Ah quoi? Un nouveau sortilège a été ajouté. Ça n'a rien à voir. Les objets peuvent être obtenus. Je peux en installer deux. Ça pourrait être bon. J'aime mieux l'eau. Ça fait mal ça.
Frappe l'ennemi avec poisson, un peu court. À débloquer. Ah, come on. Est-ce que vous faites un coup de critique augmente de 50% les dégâts par attaque? Augmente de 20%. Oh, come on! Ne te fais toucher par des bestioles de même. On défie à cause. Yeah.
Augmente le type critique des attaques de type S. Augmente 80%. Augmente 80% dans des angles. Première fois que je vois ça. Deux bonus, un à côté de l'autre. Oh wow. Ah, il y a ta. Donnes-tu vraiment ça là? Pas pu me donner un. Ok. Va avoir un bonhomme comme tantôt. Oh ben. Oh, on mourait. Oh, j'aime pas trop ça parce que les bananes sont pas. C'est lui que j'aime pas. Premier que j'aime. Super de dégâts, oublie ça.
Si je subis des dégâts, je suis mort. J'ai pas aimé ma game. Astral, j'ai pas. Mes âmes, j'ai pas aimé. Mes... Mais je pense qu'on va faire. Je vais continuer en stream. Fait que je voulais juste vous montrer ce beau. Mais bon. Je pense qu'on va arrêter ça là en plus. Regardez. Fait que on va sauvegarder puis on va. Voilà. Puis ben sur ce petit jeu là, je voulais vous montrer. J'espère que ça vous a plu. Moi le continuer en stream parce que ben c'est comme ça. Ben, écoute, on raidera pas, je raiderai pas, je vais hoster quelqu'un, je ne raiderai pas. Fait que, comme toujours, nous autres, on se revoit seulement lundi, je sais que vous êtes pas beaucoup à me regarder. On se revoit seulement lundi prochain, probablement dans l'après-midi pour faire un petit stream. Sinon ça va être un peu le soir. Sinon ça va être le soir. Sinon, quoi demander de mieux d'autre? De vous reposer. Prenez ça chill à soir. Puis, moi de mon côté, m'a continué ce petit call no. Fait que, ben, c'est ça. C'est à peu près ça que j'ai à vous dire. Ouais. C'est à peu près ça que j'ai à vous dire. Fait que. Posez-vous bien. À lundi. Et j'ai un stream aussi lundi soir. Hein? Lundi dans le jour, je suis pas sûr, mais lundi soir, c'est sûr que je fais un stream. Sinon, je vais peut-être faire un rando dans lundi dans le jour. Fait que restez à l'affût. Sinon, ben, comme toujours, je vous aime. J'adore. Ciao tout le monde. On va faire le petit générique de fin, puis. Ciao. We'll be right back.